Bonjour et bienvenue, c'est Krios 57. Je vais vous montrer comment devenir le maire de cette ville sur laquelle le jour se lève. Une grosse ville, rentable, qui s'autogère sans aucun problème. Et ce, même si vous êtes totalement débutant, que vous n'avez jamais joué à SimCity, mais simplement en respectant quelques règles de base. Voilà, de retour, juste pour vous expliquer les différentes interfaces dont vous allez avoir besoin et sur lesquelles il va falloir porter toute votre attention tout au long de la phase de développement de la ville. On en profite pour le faire devant une ville qui fonctionne avant de créer réellement la vôtre. Donc la partie du bas va vous donner ici le nom, ici le rappel du budget. On clique dessus et on a l'ensemble des données avec en stock 2 285 943 simflouz, et ça monte et ça monte, et ce malgré un déficit horaire de plus de 11 365 simflouz par heure. Je vais vous montrer comment c'est possible juste après, quand on va commencer à construire. Ici vous avez la population totale, pareil, un détail, une évolution, et ici le détail avec notamment les non inscrits étudiants, et ici la demande en travailleurs de différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau max, tant qu'on est en dessous des 3000 par catégorie avec une base autour de 150 000 habitants, c'est bon, on est sur du plein emploi, c'est la solution rêvée que toutes les villes voudraient pouvoir offrir à leurs habitants. Ici on a un ensemble de boutons avec pour chacun la possibilité de construire des choses, mais également des résultats visuels, comme ici par exemple pour l'électricité on voit le réseau électrique, l'alimentation électrique. Alors on reprend du début, ici les routes, différents types de routes, on expliquera en détail leur influence. Ici la possibilité de visualiser clairement les quartiers résidentiels, commerciaux et industriels. Ici de supprimer les préférences de construction, donc l'électricité, différents bâtiments à construire, et ici le récapitulatif de la quantité d'électricité disponible. Voilà, on a une vue. Quand on est dans le vert, on peut fournir aux autres villes et notamment à la région. Quand on est dans le jaune, on s'autosuffit. Dans le rouge, c'est la cata. Pareil pour l'eau, avec ce fameux récapitulatif. Le récapitulatif des eaux usées, très important, on va y revenir tout à l'heure. Il va falloir se servir de ça pour polluer les nappes phréatiques. Et oui, bien entendu, on va polluer la nappe phréatique, sans quoi vous allez rapidement être à court d'eau. Les autres boutons vous donnent accès à certaines informations, on pourra les détailler plus tard, mais surtout la construction de bâtiments. C'est surtout à ça que ça va nous servir ensuite, les autres. Voilà, je vous laisserai les détailler personnellement plus tard. Si vous avez besoin d'explications, faites-moi le savoir, je détaillerai chaque bouton. Vous avez un autre bouton très important ici, c'est l'ensemble des cartes. Quand vous allez avoir besoin d'informations, et bien c'est ici qu'il va falloir aller voir, avec notamment ici la carte qui va vous révéler la satisfaction de l'ensemble de votre population, avec ici l'ensemble des ressources, charbon, minerais, pétrole, le sens du vent, extrêmement important, on voit qu'ici il souffle par là, extrêmement important pour la satisfaction et la pollution de votre ville. Et puis également la carte qui va vous montrer le niveau de richesse de la population. Voilà, donc quand vous arrivez sur cette interface, vous avez différentes possibilités. On va pas rentrer dans le détail, on va directement aller chercher à jouer, puisque c'est ce que je vous ai promis, fabriquer une grosse carte, enfin une grosse ville qui fonctionne bien rapidement. Alors ici vous pouvez rejoindre, c'est pas ce qu'on va faire, on va créer et on va choisir
quelque chose qui est relativement facile à faire fonctionner, qui est l'île de la sérénité. Je vous conseille d'éviter les choses trop compliquées pour démarrer. Parce que vous verrez que maîtriser l'ensemble des paramètres, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis on va se mettre sur une zone où on a du minerai. Voilà, ici par exemple. Alors, quand vous avez ce panneau devant vous, vous avez les indicateurs de niveau disponibles sur la carte. Il vous faut impérativement de l'eau et une ressource si possible, mais de l'eau c'est impératif. Voilà, on va la prendre et c'est parti. On va aller rassembler les lamas, papouiller les chèvres, tout ça, tout ça. Voilà. Donc quand on arrive ici, on a la vue de la map, on se met toujours dans le sens de l'arrivée de l'autoroute et on remarque qu'ici, on a simplement 50 000 de départ disponibles et rien d'autre. Alors comment on va faire pour construire cette ville, sachant que tout coûte très cher? Eh bien, il va d'abord falloir raccorder votre ville à la route. Vous avez deux groupes de routes. La partie ici qui se compose de la rue de densité élevée pour la plus grosse, et là c'est simplement un petit chemin d'accès quand on a pas besoin de circulation en fait. Je dis bien deux groupes parce que quand vous êtes ici, vous allez pouvoir évoluer jusqu'ici. Par contre, quand vous êtes ici, vous n'allez pas pouvoir passer ne serait-ce qu'à cette rue là, et du coup ça vous interdit l'accès aux deux routes les plus importantes, qui sont celle-ci, densité élevée, et densité élevée avec tram. Donc on va démarrer avec celle-ci qui coûte déjà relativement cher, mais avant ça il va falloir raccorder la ville avant de commencer à proprement parler. Alors on avance un tout petit peu le temps que la ville soit raccordée et on met sur pause. Voilà, parce que maintenant il va falloir acheter de l'argent sur le marché international en obligation. Voilà. Et on va le faire tout de suite avec l'ensemble, comme ça on n'aura pas besoin d'y revenir. Voilà, je les ai achetés, mais vous voyez que du coup ça va me coûter 519 par heure tout de suite. Donc il va falloir construire un ensemble de routes de manière intelligente, de manière à ce que on optimise cet investissement. Parce que pour l'instant on dépense mais on rentre rien. Alors pour rentrer de l'argent, c'est simple, il y a les impôts, pour ça il faut des résidents, des commerces et des industries, et il y a ensuite toutes les rentrées extérieures qui vont être principalement ici dues aux minerais de fer. Alors justement, je vous ai parlé des cartes tout à l'heure qui étaient très importantes, bien localiser l'ensemble des données importantes. On va commencer par le vent. Le sens du vent. Vous voyez que ici le sens du vent nous emmène les fumées vers la droite. C'est important parce que le bonheur et la pollution de votre ville dépend également du bon fonctionnement en termes de pollution de l'ensemble de la ville. Le vent, les eaux usées, et puis le bruit, puisque ici les industries vont gêner les habitants, et donc du coup ils auront un bonheur moindre et donc la densité de population ne pourra pas augmenter. Donc on a vu que le vent va vers la droite, on va donc concentrer la partie industrielle et tout ce qui va nous fournir de la pollution sur la droite. Voilà, il va s'agir maintenant également de savoir où se trouvent nos ressources pour ne pas construire bêtement des choses au-dessus qui nous empêcheraient ensuite de venir les exploiter. Vu la distance à laquelle ça se trouve par rapport à l'autoroute, on n'aura pas les moyens de construire une route pour aller l'exploiter directement. Donc il va falloir prendre un petit peu patience et construire une ville
qui s'auto-suffit jusqu'au moment où on aura assez d'argent pour véritablement commencer l'expansion. Alors dans certains tutos, vous verrez la possibilité d'avoir énormément d'argent, de quadriller toute la ville de route, et puis on pose des tas de blocs de pâtés de maison, de commerce et d'industrie. Et puis voilà, ça y est, c'est parti, en moins d'une heure, vous avez 200 de population. Oui, mais bon, ça s'appelle pas comprendre le jeu, ça s'appelle appliquer une petite astuce vite fait pour obtenir rapidement un but de la population la plupart du temps. Mais ça va vous freiner ensuite sur les cartes un peu compliquées. Donc ici, je vais vous expliquer comment faire pour, avec très peu d'argent, avoir une ville qui fonctionne bien. Alors on va commencer par poser des routes. Donc on posera au départ toujours ces routes-ci, puisqu'on va pouvoir évoluer vers celle-ci. C'est la moins chère de celles qui nous donnera accès à l'ensemble des possibilités de circulation. Vous voyez, quand je pose ce petit rond bleu ici sur ma route, vous avez des pointillés qui vous désignent les emplacements possibles des routes qui vont vous permettre une organisation idéale. On va voir après pourquoi. Mais au départ, moi je laisse toujours une petite marge. Je pourrais me mettre D ici, mais en fait, je vais démarrer. Vous voyez ici, on va sortir de cette vue-là, ce sera plus visible. Vous voyez ici ce lampadaire. Je me mets juste après le lampadaire et je commence à tracer. Voilà, là je reviens en vue plus générale. J'ai une autre parallèle qui s'est tracée et c'est par là qu'on va pouvoir construire. Je vous expliquerai après pourquoi je ne me mets pas au bord. C'est pas la peine de trop compliquer. On va y aller par petites touches, parce qu'autrement on n'y arrivera pas. On aura trop de difficultés à construire l'ensemble des routes, surtout quand on n'a pas l'habitude, ce qui est normalement votre cas. Voilà. Je vais éviter de trop vous saouler avec des commentaires inutiles. Je vous laisse regarder et comprendre. Je vais laisser cette partie-là sans la quadriller. Et on va construire ensemble. Donc on est toujours en pause, le budget ne défile pas, on va s'arrêter ici pour l'instant, on a beaucoup de choses à construire. Évidemment, on a besoin d'électricité. Alors, chaque bâtiment industriel, que ce soit de la production d'électricité ou autre, va détériorer l'attrait du terrain, c'est-à-dire que le terrain va coûter moins cher et donc on aura une population moins... Et j'ai juste la largeur pour construire un ensemble. Et pouvoir obtenir ici de l'électricité, l'eau, et ben vous voyez, quand je clique dessus, il me montre où il y en a. Je vais poser ici un château d'eau, n'importe où, pour l'instant ça n'a pas tellement d'importance, on va le mettre ici. Du moment qu'il y a de l'eau en dessous, ça suffira largement. Vous voyez qu'on sera en grosse surproduction, et il nous faudra également récupérer les eaux usées. Voilà, on va pas le faire tout de suite, on va déjà lancer le jeu pour que les gens puissent arriver. Alors quand je pose ici le curseur, vous avez une grosse barre verte à près de la maison et une petite, c'est la taille totale de la maison une fois qu'elle aura atteint sa taille maximum. Donc au départ vous aurez probablement des camping-cars et vous pourrez aller jusqu'au building multi-étage. Vous voyez que là, si je me mets en face, j'occupe toute la surface, donc ça sert à rien d'en mettre sur les côtés au final. Donc on va devoir en supprimer à un moment donné, mais pour démarrer on va simplement les remplir. Donc j'appuie sur CTRL. Tout s'éclaire, je remplis, je remplis, je remplis. Ici, une dose de commerce. Ici, une dose d'industrie. Et ici, on va remettre une dose de population qui va rapidement disparaître.
surtout sur cette partie-là, puisqu'on va garder la partie de droite pour faire de l'industrie, mais au départ, on a besoin de faire venir du monde, parce que c'est le monde qui va pouvoir équilibrer le budget. Voilà. Voilà, quelques minutes plus tard, nous revoilà, j'ai posé ces deux carrés, j'ai posé la mairie qu'on m'a proposé ici de poser avec cet onglet. Et on va maintenant poser les indispensables, c'est-à-dire l'incendie, les pompiers et la santé, la clinique. Pour ça, je vais commencer à faire un décalage ici qui va être lié à notre ressource qui est le minerai. Voilà. Donc, je vais vouloir une route qui vient affleurer ici cette première zone pour pouvoir poser mon industrie, et donc je ne vais plus me fier à cette route là. Donc je viens ici, je vise à peu près au bord et je viens jusqu'ici. Voilà. Là je ressors de cette vue, j'ai maintenant l'endroit où je peux poser mon pompier, la gentille petite caserne. On va la poser ici. Voilà. On va poser le système de santé. Petite clinique à côté. On va lui donner un petit peu de place. Voilà. Et vous voyez qu'on a quasiment plus d'argent et que le budget n'est plus à l'équilibre. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que chaque bâtiment que vous mettez va vous coûter des simflouz par heure, ici 400 par heure. Quand vous regardez le pompier, c'est la même chose. Donc on va devoir être prudent et vérifier ici que notre budget s'équilibre. On doit être ici dans le vert. Donc la seule solution qu'on a, c'est d'augmenter des impôts ou de faire venir plus de monde. On repasse dans cette vue où on a la population. Alors pour l'instant, je vais vous montrer qu'on peut le faire sans toucher aux impôts, parce que moi, j'aime pas les impôts. J'aime pas les impôts. Voilà, quelques minutes plus tard, vous voyez que le budget est de nouveau à l'équilibre. Ici les recettes, on est toujours à 9% d'impôts. On va essayer de s'y tenir. Bien, on va maintenant se pencher sur le cas des eaux usées qui stagnent ici et qui vont pas tarder à nous pourrir l'ambiance. Donc on va créer une route pour aller emmener ça le plus loin possible, toujours cette route-ci. Voilà, on va essayer d'aller. Voilà. Au plus loin. Et alors, on vérifie une chose importante, c'est la carte des eaux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait polluer abondamment et volontairement la nappe phréatique. Ben oui, parce que l'eau que l'on pompe ici va s'épuiser. Et rapidement, vous n'aurez plus d'eau sur la carte. Et donc, votre ville va mourir. Il y a une solution très simple qui est de recycler les eaux usées. Alors, pour l'instant, on va simplement se contenter de les faire sortir de la ville. Vous voyez ici, ça me demande 3500 simflouz. Je ne les ai pas. Je suis en train de récupérer des simflouz via le système d'imposition. Pratiquement 1000 par heure. Donc on va patienter un petit peu. On accélère pour y arriver. Et ensuite, on va le poser. Donc pendant que j'ai pas encore l'argent, je peux regarder où est-ce que je peux le poser. Ben, je vais le poser par ici parce qu'en fait, je vais essayer de polluer cette zone plus foncée que celle-ci, ce qui va me permettre d'avoir plus d'eau. Donc, le principe étant que une fois que j'aurai ramené toute l'eau polluée à ce tuyau d'écoulement des eaux usées, quand il sera plein, eh ben, ça va déborder et donc ça va polluer la nappe phréatique. Mais en même temps que ça va la polluer, ça va ramener l'eau qui aura été consommée. Et donc, en filtrant cette eau, on va pouvoir, eh bien, la réinjecter dans le circuit.
Donc en fait, on va fonctionner en circuit fermé. On ne va pas réellement polluer toute la carte. On va polluer une petite zone pour réutiliser l'eau via cette centrale, cette station d'épuration qui possède des filtres pour recycler l'eau usée. Voilà, on va sortir de cette vue. On va laisser avancer un petit peu comme ça, grossir la population, le budget, et on va laisser passer la nuit du jeu. On se retrouve juste après. Voilà, même pas eu le temps de finir ma nuit, que ici j'ai atteint les 5000 de population et donc une amélioration est disponible. Je clique sur ma mairie, je l'améliore. Joli petit feu d'artifice, et comme c'est sympa. Graphiquement, il est très réussi. Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien ici, j'ai enfin la possibilité de gérer les impôts séparément entre la résidence, le commerce et l'industrie. Un peu plus tard, quand je vais encore grossir, je pourrai gérer par niveau de richesse les impôts. La première colonne sera réservée aux revenus modestes, moyens et élevés. Voilà. On va accélérer de nouveau le temps. Laisser monter un petit peu tout ça. Et on revient quand il fera jour. Voilà. Alors, le jour se lève et, chose intéressante, ici on a une alerte de santé. En cliquant dessus, vous avez l'emplacement de la clinique qui vous indique ce qui se passe. Ici, un petit pictogramme qui vous montre ce qui s'est passé. Quand vous cliquez sur la clinique, vous avez le récapitulatif, c'est-à-dire 10 patients soignés sur une capacité de 10. Vous êtes donc au maximum. Et du coup, maintenant, vous avez un patient en attente. Alors, pour éviter ça, il va falloir éditer cette clinique, comme on pourra le faire sur la plupart des bâtiments. Vous avez ici la clinique. Vous pouvez l'arrêter, la remettre en route. Processus d'embauche. Et ici, vous avez soit les ambulances pour aller plus loin et plus vite pour ramener les patients à la clinique, soit ici, augmenter la capacité. Alors, ça coûte cher tout ça. Hein. 12 000 ici pour la création et 300 par heure. Pour l'instant, on va s'en passer. Parce que le plus important, dans un premier temps, c'est de rembourser ce qu'on doit. Ici, on a 16 900 en bourse et 23 000 pour chacune des obligations à rembourser. Mais à chaque fois qu'on va rembourser une obligation, on va augmenter la vitesse de rentrée des SimFlouze puisque c'est autant de crédits qu'on n'aura plus à payer. Et puis avoir des Sims, quelques Sims malades comme ça, c'est pas ça qui va faire grand chose sur votre taux de popularité qui, vous le voyez, grimpe sans problème. Vous avez des détails à chaque fois, hein, si vous voulez aller regarder ce qui se passe. Là, on voit que lui, il baisse parce que très certainement, à un moment donné ou à un autre, il a eu quelque chose qui l'a embêté. Par exemple, peut-être le manque d'ouvriers. On voit que là, aujourd'hui, tout le monde travaille, pratiquement, sauf dans les zones de moyens revenus et de hauts revenus. Et justement, on va commencer à en parler. Voilà, donc je vous ai montré ici les cartes, ici la carte des valeurs du terrain, et c'est une vue qui est relativement importante. Elle va vous signaler ici que vous avez une zone où finalement l'impact va être relativement négatif sur la population et sur les entreprises. Et ici, plus on va vers le bleu, vous voyez cette échelle, plus on va avoir des gens qui vont avoir des chances d'être satisfaits et surtout qui vont avoir un portefeuille bien garni. Donc, tout le jeu va être de trouver un juste équilibre entre ce qu'on a comme habitant dans chaque catégorie socio-professionnelle et en face les industries et les commerces qui vont avec. Alors, pour faire grimper la valeur du terrain, rien de tel que des parcs. Alors ici, chaque sigle, faible revenu, revenu moyen
et revenus élevés va servir à booster la catégorie ciblée. Sur un terrain qui ici est sans grand intérêt, ou même ici, on va pouvoir poser l'ensemble des catégories, et on va le faire de suite, de manière à élever sa valeur. Alors, on pourrait avoir tendance à vouloir que des gens riches, mais dans la vraie vie ça marche pas, et ben ici ça marche pas non plus. Les gens riches sont une minorité, les gens de classe moyenne et les pauvres sont la très grande majorité des habitants des villes de SimCity pour que ça fonctionne. Donc on va placer ici une place. Alors, celle-ci, vous voyez qu'elle nous coûte que 400 et nous coûte que 40 par heure. Mais sa zone d'influence sera beaucoup plus petite que celle-ci, par exemple, qui est plus chère et coûte plus cher à entretenir, ou que celle-ci. Alors, on va commencer par créer une zone d'influence moyenne. Ici, je me rapproche de la zone qui est déjà bleue pour créer une zone riche. Ça ne suffira pas, il va en falloir une deuxième. On va changer le thème, mais le principe est le même. Voilà, voilà. J'ai donc maintenant mes zones qui sont clairement définies. Peu riche ne peut accueillir que des Sims pauvres, pratiquement. En tout cas, ici, ils ne vont pas s'y sentir à l'aise. Ils vont rapidement quitter pour laisser la place aux riches. Et plus on va vers cette zone foncée, plus les Sims seront riches. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront heureux. Si on veut les rendre heureux, il va falloir tout un tas de choses. Alors, on va essayer de donner également du bonheur aux autres, les plus pauvres, ici. Vous voyez que là, si on se rapproche, le vert est plus pâle. Quand on clique dessus, on voit la valeur du terrain et son niveau de densité. Et bien, pour faire monter la densité, il faut qu'il soit plus heureux que ça. Donc, on va ici sélectionner celui-ci qui a un niveau intermédiaire et on va le placer ici pour que sa zone d'influence soit un peu plus élevée. Pareil ici, on va en mettre beaucoup parce que le but c'est de densifier la zone. Les cartes de SimCity ne sont pas immenses, vous voyez que ça ressemble plus à un quartier qu'à une ville. Et pourtant, il va falloir y faire tenir du monde. Voilà une mise à jour, très certainement un autre joueur qui vient de s'installer. On rassemble les lamas. Et c'est parti. Et voilà, ici j'ai un autre joueur. Ah non, si, c'est un autre joueur. Allons voir. Eh oui, il s'est installé là. Super, on va pouvoir faire du commerce avec lui. Donc, on retourne chez nous. Et on voit que ça a porté ses fruits. Ici, on a des zones qui sont en construction et qui évoluent par rapport à nos petites cabanes de base. Et donc la population va pouvoir se densifier. Momentanément, bien sûr, la population a descendu. Mais ce n'est que pour mieux repartir. On va laisser faire ça et on revient tout de suite après. Voilà, la dernière maison. Eh ben non, c'était pas la dernière. Une des dernières venait de finir de se créer. Celles-ci sont encore en construction. Je suis repassé à une vitesse lente, dite tortue, de manière à avoir le temps d'expliquer. Alors, dans les paramètres qui vont faire monter la satisfaction de nos Sims, oui, et également grossir, enfin augmenter la densité des zones, c'est l'éducation. Eh ben oui, il faut aller à l'école, il n'y a pas le choix. Ça a une bonne influence sur les quartiers, et les familles qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école ne s'en portent que mieux. Mais comme tout bâtiment, vous voyez que il a un coût, et surtout un coût à l'heure d'entretien. Donc, bien attendre toujours d'avoir suffisamment de réserve au budget pour pouvoir financer les coûts supplémentaires à l'heure.
Maintenant qu'on a une école, on voit qu'on peut accueillir 150 élèves au maximum, qu'actuellement on en a 429 qui sont non inscrits, qui ont besoin d'aller en classe, donc on sait déjà dès le départ que notre école ne suffira pas. Qu'à cela ne tienne, on va déjà les faire venir, on va poser du ramassage scolaire. Vous voyez que quand je me balade, ça fait changer de couleur vers le vert, les routes et les quartiers, ça veut dire que l'influence est positive. Pardon. Donc, je vais en mettre ici et ici. Comme chaque ramassage a un coût, je vais éviter de les gâcher. On va essayer de réfléchir aux endroits les plus stratégiques. D'ici quelques temps, quand on aura atteint un rythme de croisière, je vous avoue que ces considérations de coût horaire, on s'en fichera un petit peu, mais pour l'instant, on est encore en phase d'apprentissage et avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Voilà, on va laisser évoluer tout ça un petit peu et je vous reprends après. Un petit retour pour vous rappeler qu'il est important de garder un œil sur les différents paramètres. Ici, l'électricité, on est toujours en énorme excédent. Ça va pas durer, hein. C'est assez vite saturé, les éoliennes. C'est un petit peu comme dans la vraie vie, il faut des surfaces colossales. L'eau, c'est pareil, on est en gros excédent. Les eaux usées, c'est pareil, on est en gros excédent. Et je vais en profiter pour vous montrer également une petite chose intéressante qui est la partie partenariat. Ici, on a un visiteur d'une autre ville qui peut venir nous rendre visite, qui peut avoir besoin de nos services et nous fournir des services. Par exemple, l'électricité. Ici, nous, étant donné qu'on est excédentaire, il peut nous en acheter. L'eau, pareil. Et les différents services. Aller récupérer les eaux usées ou ici, proposer des véhicules de ramassage des ordures. Il peut m'en proposer, je peux lui en proposer, c'est au premier des deux qu'il y en a. On va aller assez rapidement en faire nous-mêmes pour s'autosuffire, de toute manière on va en avoir besoin. Voilà, je retourne en ville. Et donc pareil, les ordures, ben ça sent pas bon. Donc on va essayer de les mettre du côté est de la carte. Pour rappel, c'est à cause du vent qui emmène tout ça vers l'est. Donc, on est ici sur l'onglet élimination des déchets, on prend une décharge et on va la poser ici, pas trop près du bout, parce que je vous rappelle que la zone là, on va attendre d'être polluée pour pouvoir poser une station d'épuration. Donc je vais la poser ici, parce que là j'ai pas la place, donc vous voyez que je vous ai parlé tout à l'heure de garder un peu de place à droite pour poser des structures. J'en ai pas gardé assez pour poser ça, c'est un peu dommage, vous ferez mieux que moi, je n'en doute pas. Voilà, on pose ça là, j'aurais dû avant vérifier qu'il n'y avait pas de minerai en dessous, et si, oui, là il y a du minerai, donc il va falloir que je vienne par la gauche de cette zone de minerai pour essayer de la récupérer. Dommage, ça c'est mal joué. C'est pas grave. Donc là maintenant on voit qu'on a des petits camions poubelles. Alors si on s'attarde un petit peu à cette structure, on va pouvoir augmenter le nombre de camions, la zone de déchets stockables et bien sûr incinérer ces déchets. Je préfère les incinérer plutôt que d'augmenter indéfiniment la zone de stockage, puisque même si on augmente, au bout d'un moment elle finit par être pleine. Voilà, d'autant que là les fumées on s'en fiche, elles vont partir vers l'est. Un petit point sur le budget, on est toujours en positif, les impôts n'ont pas bougé, ça augmente gentiment. Assez rapidement maintenant, je vais essayer de rembourser une obligation pour pouvoir me donner un petit peu d'air.
Je vais beaucoup entrecouper la vidéo de manière à ce qu'elle ne soit pas trop longue, mais pour vous donner les indications utiles, simplement, sans faire trop long. Le jeu va se dérouler à sa vitesse, vous aurez le temps de cliquer sur tous les boutons pour regarder les différentes informations. Ici, on est resté sur la partie évacuation des ordures et on a une indication qui est la quantité de poubelles ramassées par rapport au maximum produit par la ville. Là, c'est la partie recyclage, on s'en occupera bien plus tard, mais elle va nous rapporter de l'argent, cette partie-là. Un autre petit retour pour regarder les différents paramètres. Ici, le taux de popularité augmente. Si on clique sur les maisons, on voit qu'elles veulent aller vers une augmentation de population. Donc c'est bon signe. Alors, ne soyez pas trop gourmand, ne voulez pas aller trop vite, ne veuillez pas aller trop vite. Parce que avoir une zone trop étendue et qui grossit trop vite, c'est plaisant, mais c'est difficile à gérer. Quand les choses s'emballent, je vous garantis que des fois ça peut tourner vite à la catastrophe. Donc laissons le temps au temps. Et on va simplement essayer de faire grossir un tout petit peu cette population qui était passée au-dessus des 5000, qui est redescendue un petit peu, en posant quelques petits paramètres de satisfaction aux endroits appropriés. Là-bas, on va y mettre de l'industrie, c'est pas la peine. Ici, on va y mettre de l'industrie, mais temporairement, on va également les faire grossir puisque ce sera une source de revenus non négligeable. Donc, on va poser de petites structures qui vont suffire simplement à faire recto verso ici et ici. Voilà, pareil pour ici. Alors, je vais en profiter que les choses évoluent lentement pour vous parler de la suite. Il ne faudra pas avoir peur de détruire ce qu'on a fait. Ici, justement, j'ai dit que les habitations, là, sont vouées à disparaître parce que finalement, c'est la zone qui va être polluée. Et donc, pourquoi mettre de la population sur une zone où on va avoir du mal à la faire grossir et que, de toute manière, on va avoir besoin de terrain. Donc, on s'en sert pour l'instant, mais rapidement, ça va disparaître. Je vais rajouter ici, du coup, de la population partout où je peux en récupérer. Et en termes d'explication et de complément d'information, toute la zone là va servir à faire plus loin du stockage de parking. On va pouvoir obtenir rapidement ici une gare routière qui va nous accompagner pendant plus de la moitié de l'expansion de la ville, au moins jusqu'au pratiquement jusqu'au 100 000, on n'aura pas besoin d'autre chose. Et il faudra modifier la circulation pour éviter les bouchons. Ben oui, parce que là aussi, il peut y avoir des bouchons. Donc certaines des routes qui sont actuellement connectées, on va les couper avec le bulldozer qui est ici. Vous voyez, si je coupe ici, on va dire OK. Je crée ici une impasse. Et donc du coup, ici, une voie de circulation qui est pratique et qui ne risque pas de créer d'embouteillage. C'est donc sur ces voies-là, sans intersection, que l'on posera les parkings. On va le faire des deux côtés et on va le faire de manière à ce que les véhicules qui rentrent et qui sortent se garent, prennent les bus pour éviter d'engorger ensuite le centre-ville. Voilà, je vais vite reconnecter ma route, reposer mon barbecue. Voilà. Et revenir à une vue plus classique. Et on voit que dans l'intervalle ici, j'ai pris un petit peu de population. J'ai augmenté mon budget à l'heure et je suis passé au-dessus des 20 000.
Je vais donc rembourser ici une obligation. Et mon budget grossit encore. Bon, ce qui ne m'empêchera pas ensuite de réemprunter beaucoup d'argent. Faut pas hésiter à emprunter quand il y en a besoin. Là, pour l'instant, on va prendre la version sans prendre trop de risques, sans trop s'endetter. Là, ce qu'il va falloir augmenter, c'est toutes nos structures de services publics, c'est-à-dire les pompiers, la santé, la police qu'on n'a pas encore placée et l'éducation de base. Donc là, on va déjà vite augmenter la capacité d'intervention des pompiers en posant cette petite alarme qui va leur permettre ici de réagir plus vite simplement. Donc ils sortiront plus vite et ils seront plus rapidement sur les feux. Et on va poser un véhicule de plus dès qu'on va pouvoir. Ici, il nous manque un peu de simflouze. Parce que arrivé aux 5000 de population, les incendies peuvent vraiment être catastrophiques et poser des problèmes avec des quartiers entiers qui brûlent parce que on n'a pas assez de véhicules d'intervention pour circonscrire le feu. Voilà, donc je vais accélérer un petit peu la vitesse d'évolution. On va revenir en vue classique. C'est plus joli comme ça. Vous voyez tous ces bâtiments qui évoluent là, c'est grâce à tous ces investissements qu'on a fait, qu'on pourra éventuellement à un moment donné ou à un autre supprimer s'ils nous gênent pour l'expansion, mais qui sont pour l'instant indispensables. Donc l'expansion est due à notre taux de satisfaction qui est en constante augmentation et c'est parfait. Quand on est au-dessus de 70, c'est déjà pas mal. Quand on est au-dessus de 80, tout est très facile. Mais quelquefois, il faut savoir faire un petit peu de peine à nos habitants en augmentant les impôts momentanément, de manière à faire face à une crise financière. Je pense qu'on aura un ou deux exemples un peu plus tard. Voilà, j'ai mes 17 000. Je rajoute mon camion de pompier. Voilà, je suis un peu plus en sécurité. On a ici une belle construction. Et je vais profiter un petit peu de la qualité graphique de ce jeu. Et voilà, superbe résidence à vendre. Pour l'instant, il n'y a encore personne. Enfin là, évidemment, on est dans les quartiers UP et la petite piscine au-dessus, tout va bien. On revient, toujours un petit coup d'œil sur l'électricité et j'ai bien fait, regardez, on est limite. Et ben, tout simplement, on va aller lui rajouter une éolienne. On n'a pas encore les moyens de passer à la centrale à charbon. Donc, on fonctionne de manière classique. Pour l'eau, on est encore bon. L'évacuation, on est encore très bon. Je vous avais dit, hein, les éoliennes, c'est assez rapidement limité. Et surtout que le plus gros problème de SimCity, c'est la place. Il va falloir pouvoir s'en affranchir rapidement. Alors, les petites bulles là, les petites bulles info, comme sur les BD, nous informent qu'on veut nous parler. Eh ben, on va cliquer dessus. Voilà, là, il nous signale qu'il est temps de faire appel aux forces de police. Et dans ce jeu, c'est comme dans un monde parfait, il ne nous pose jamais de PV. Bon, j'ai pas les moyens pour l'instant, parce que la police, ça coûte cher, mais la délinquance, ça coûte encore plus cher, parce que ça nuit gravement à l'évolution. Donc, j'ai remboursé tout à l'heure une obligation, je peux en refaire une autre plus grosse. J'accepte. Ici, mon nouveau budget, je prends mon poste de police et je le pose toujours de manière à pouvoir faire les extensions. Alors, j'essaie de ne pas les mettre de ce côté-là de la map, parce que ils ont une zone d'intervention également. Donc là j'en pose un ici, un peu plus tard j'en poserai un probablement sur cette zone là.
mais éviter de les mettre dans des coins, ils sont nettement moins efficaces. Voilà, si vous cliquez dessus, vous allez tout de suite voir les performances du poste de police avec le nombre d'arrestations et la quantité de détenus. Dès que vous voyez des criminels qui sont libérés prématurément, c'est qu'il va falloir penser à augmenter la capacité en nombre de cellules ici. Voilà. Alors on ne le fait pas tout de suite, pourquoi? Parce que bien sûr ça coûte de l'argent et puis surtout on n'en a pas besoin. Et faut pas oublier, pas perdre de vue que chaque bâtiment, y compris les extensions, coûte à l'entretien par heure. Ici 300. Or on veut garder un budget positif pour l'instant. Un peu plus tard on verra qu'on peut aller gravement dans le déficit, mais on aura d'autres sources de revenus bien plus importantes. On se retrouve pour la même manip ici sur la clinique. On est saturé, hein, pratiquement, blessure soignée, vous voyez, on est limite d'en avoir en attente. Il n'arrête pas de me dire qu'il a besoin de salles supplémentaires, et ben on va lui en donner une. Et ça va fonctionner comme ça pendant assez longtemps maintenant. J'ai encore un peu de marge pour éviter d'avoir à y penser. Non, je vais plutôt rembourser ici mes deux obligations. Voilà. On conserve un œil sur les paramètres et voilà, là c'est bon, mais il y a quelques secondes c'était moins bon parce que, étant donné que cette centrale éolienne fonctionne avec le vent et que on n'est pas sur une carte qui est très venteuse, elle va fluctuer beaucoup en quantité d'électricité. Et juste avant de refaire ce morceau de vidéo là, j'étais dans le rouge. Alors voyons voir si notre voisin s'est développé. Eh ben non, pas de bol. Autrement on aurait pu éventuellement pouvoir lui demander ici de l'électricité. Par contre on voit qu'on est apte à fournir éventuellement un véhicule de pompier s'il en a besoin. Des fois qu'il décide à grossir, on va lui proposer. Et un camion de pompier, un camion d'ordures, une voiture de police. Sachant que ils ne partiront chez eux que s'il n'y a rien à faire chez nous. Et chaque intervention nous rapportera des simflouz. Vous voyez que la population augmente gentiment, les structures ici grossissent, le budget va avec, et ici on a toujours notre rappel qui nous dit je suis complet en capacité d'accueil, il va falloir augmenter en rajoutant des classes. Ben oui, mais pour l'instant j'en ai pas, donc allez, on va emprunter. On va emprunter une grosse obligation vu que le budget nous le propose et nous le permet. On va poser une salle de classe. Tant qu'à faire ici, tant qu'à perdre un angle, autant poser une salle de classe. Et on va pas poser tout de suite de parking supplémentaire puisque les véhicules qu'on avait dès le départ pour la surface de notre ville pour l'instant suffisent. À la classe suivante, là il faudra qu'on rajoute un véhicule, toujours dans un souci d'économie au niveau du budget. Même un véhicule, et ben ça coûte. On fera plus tard, si vous le souhaitez, une vidéo où on montre comment on peut arriver à 200 000 de population en allez, à peu près 2 heures sur une grande carte de ville bien plate. C'est jouable, mais le problème c'est qu'on n'apprend pas à gérer. Donc je saurais vous montrer à faire ça, mais derrière, eh ben, gérer 200 000 personnes pour continuer à évoluer, c'est pas simple. Si on ne l'a pas bien pensé, sa ville, on ne sait pas exactement comment elle fonctionne. Alors, nous sommes un tout petit peu plus loin. Vous voyez qu'ici, j'ai supprimé la zone résidentielle pour en faire une zone industrielle. On n'est pas loin des 10 000. Et dans le même temps, on a réussi à diminuer un tout petit peu le nombre de chômeurs, ce qui veut dire que
ben forcément, la trésorerie ne s'en sent que mieux. À propos de trésorerie, on va rembourser. Et ici, on a une alerte. Alors, je fais une petite pause pour avoir le temps. L'alerte vous montre ici que on est en grave déficit. Et donc, regardez ici, toutes les zones là ne sont plus alimentées. Et donc, on va créer des mécontents. Ça va se ressentir assez rapidement. Donc, j'ai laissé venir cette panne d'électricité pour vous montrer que faire attention à ces indicateurs là en bas, notamment les trois là, c'est primordial. Voilà, on va finir d'installer ici les deux éoliennes qui nous manquent. Et ensuite, on ne l'étendra plus. On va se diriger vers ensuite la centrale électrique à charbon, qui, pour un coût d'entretien moindre, produit beaucoup plus d'électricité, mais pollue un petit peu. Voilà. Donc ici, on va déjà poser nos deux éoliennes supplémentaires. Voilà. On remet en marche. On va voir que l'électricité, pour l'instant, a un petit peu de mal à recompléter toutes les demandes, mais ça va venir. Voilà. Donc, pour cette centrale à charbon, on a deux solutions. Soit on récolte du charbon chez nous, soit on en importe. On va faire le choix d'en importer, même si ça nous coûte, parce qu'on veut garder le maximum d'emplacements disponibles pour récolter ce qui va nous rapporter beaucoup, c'est-à-dire le minerai. Et si on regarde la carte du minerai et du charbon, eh ben on va se gêner. On ne peut pas développer à la fois une ressource en charbon et en minerai sur cette carte, ça nous prendrait vraiment beaucoup trop de place. Et vous verrez que acheter du charbon, finalement, par rapport à ce que ça nous rapporte de vendre du minerai, c'est beaucoup plus intéressant. Alors le charbon, ça pollue, donc toujours pareil, on va se mettre sur le bord est de la carte, qui est par ici. Donc on va commencer par recréer de la route. On se met au bout. On regarde jusqu'où on peut aller. Voilà. Et là, je vais aller carrément sur le bord de la carte pour pas me faire avoir comme la dernière fois. Ici, on a toujours notre zone, enfin notre indicateur d'évacuation des eaux usées. Tant qu'on ne sera pas dans le rouge, c'est-à-dire que tant que celle-ci ne sera pas saturée, on ne polluera pas la nappe. Ça ne saurait tarder, et à partir de là, on va pouvoir poser notre centrale de retraitement des eaux usées. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, ici, on voit qu'on a encore tout juste assez. Par sécurité, c'est pas ce que ça coûte. On va en reposer un. Tant qu'à faire ici, tiens, sur une zone bien bleue. Comme ça on est peinard, on a le temps de voir venir, on va pas se faire surprendre comme avec l'électricité. Voilà. Donc notre centrale ici coûte 17 000, nous coûte 450 à l'entretien par heure, c'est jouable, on la pose. Il va nous falloir du charbon. Et là on va aller sur un nouvel onglet spécialisation de la ville. Alors cet onglet nous permet ici de miner du charbon ou du minerai de fer, avec également d'autres ici bâtiments très importants comme la fonderie qui va nous servir tout à l'heure. Ici c'est pour le pétrole, mais nous on va pas s'en occuper, et ici pour le commerce, la vente et l'importation de marchandises. Alors
voyons voir cette carte du minerai. On voit qu'ici, on n'a pas de minerai véritablement, donc on va pouvoir éventuellement prendre une de ces zones-là pour gérer nos importations. Ça tombe bien, on peut la placer de l'autre côté. On la place. On clique dessus et on voit que on peut l'éditer comme tous les bâtiments pratiquement. En mode édition, vous pouvez ici avec le bulldozer détruire l'entrepôt de base. Ne détruisez pas tout, juste l'entrepôt de base qui ne nous sert pas et qui occupe une place inutile. On va donc ici mettre un lieu de stockage du charbon. On ressort de cette vue et on va gérer les marchandises. Ici on a notre charbon, on va en importer. Alors ils vont en importer à ce prix là jusqu'à saturation ici de notre entrepôt. Une fois qu'il sera plein, et bien tout simplement il arrêtera d'en emprunter, enfin d'en importer, pardon, je bafouille, sur le marché mondial. Et notre centrale à charbon, elle, va aller puiser directement dans ce stockage pour s'alimenter. Alors, notre électricité. On revient ici sur la vue standard. Quand vous êtes sur l'électricité, vous voyez qu'ici, on est en très grosse surcapacité. Et on a ici une centrale qui nous coûte 200 par heure. On peut dans un premier temps la couper. Et on peut même la supprimer. Je vous ai dit qu'on allait construire et détruire des choses. Ben voilà, c'est fait. Aussitôt dit, aussitôt fait, on a une zone ici qui est bien une zone industrielle qui n'était pas complète. On va la compléter et d'autres entreprises vont venir s'installer. Toujours bon au niveau du chômage. Ça va se résorber assez facilement. Ah ! Voilà, j'attendais que ça arrive. Ici, vous avez un bâtiment qui a été détruit, en tout cas vidé de ses habitants, par la faute d'une hécatombe causée par la maladie, par différentes choses. Vous avez ici, quand vous cliquez sur le bulldozer, le nombre de bâtiments abandonnés et le nombre de bâtiments en ruine. Il faut le plus rapidement possible évacuer tous ces bâtiments qui sont en fait des bâtiments parasites qui sont source de désagréments pour vos Sims et qui nuisent à leur bien-être. Voilà, alors ça, vous voyez, le taux qui est passé en dessous des 70, c'est dû à notre coupure d'électricité de tout à l'heure. On la voit plus, j'aurais dû cliquer dessus pour que vous le voyez. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Ben oui, forcément. Donc, ici, on regarde que on a toujours que 350 places et on a 498 enfants qui ne vont pas à l'école. On va donc leur donner la joie de pouvoir aller récupérer des devoirs, des notes dans le carnet et des engueulades avec leurs parents. Ceci dit, pour la partie de Sims uniquement, ça va nous permettre d'avoir un développement de ville accéléré. Et dans la vraie vie, eh ben, dans la vraie vie, je laisse le soin à vos parents de vous expliquer ça. On revient sur nos infobulles. Ici, la mairie qui veut me parler. Eh ben on est d'accord. Voilà, j'aurai une récompense. Si j'avais pas cliqué sur cette infobulle et que je passe les 15 000, je serais passé à côté de cette récompense. C'est quand même dommage. Donc, pas mal d'infobulles, notamment j'attends celle de la caserne des pompiers, va nous permettre d'obtenir des récompenses substantielles. Pour anticiper, je lui mets un troisième bâtiment. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Quand on va passer la barre des
20-25 000 habitants, il va falloir commencer à développer notre infrastructure routière. Et là, on va véritablement commencer à construire de manière définitive le squelette routier, l'infrastructure, en créant des impasses pour améliorer la circulation. Pour l'instant, on est entièrement vers la droite, mais quand on va partir vers la gauche, il va falloir avoir un canevas en trident. Voilà, je reprends tout de suite après. Quelque chose d'intéressant ici, ça s'est mis en orange. On voit qu'ici, on commence à être à saturation. Si on clique ici, on voit qu'on est débordé. Et sur cette petite carte de pollution des sols, on voit que, au miracle, on commence à polluer. Si on mixe avec la carte de l'eau, ici, on voit que on va polluer gentiment cette zone là. À tout de suite. Voilà, alors pour éviter que en plus de polluer la nappe que l'on voit ici et que l'on rende malade nos Sims, il va falloir rapidement créer une deuxième station pour récupérer notre eau. Voilà. Je la mets ici, un petit peu plus loin. Et on va polluer un petit peu plus par ici. Donc là, temporairement, j'arrête celle-ci pour amener celle-ci à saturation. C'est juste une petite astuce pour aller un petit peu plus vite. Voilà, les deux sont en route. Et j'explique la suite. Donc, l'idée, c'est de ne pas rendre malade nos Sims, mais de polluer cette zone-là. On a ici, un peu plus tard, quand on aura le ministère des services publics dans la région, à notre disposition, une station d'épuration. Sauf que si on place cette station d'épuration n'importe où, par exemple ici, on va avoir cette zone-là et cette zone-là qui vont acheminer en parallèle des eaux usées, voir si ici on a la station d'épuration et ici de simples petits tuyaux d'écoulement des eaux usées. Tout va être attiré par ici et ce qu'on a mis en place ici ne fonctionnera pas. Donc, il faut ici dans le fond installer. Et c'est là que notre petit chemin de terre suffira puisque ce sera un cul-de-sac au final. On va le faire dans la vue normale pour pas rater le changement de couleur. Voilà. Voilà. On va la mettre jusqu'ici. Ça nous coûte trois fois rien. Et ça suffira pour y poser les structures qu'on veut. C'est-à-dire que à la fois une deuxième centrale électrique, parce qu'on en aura besoin, viendra se poser quelque part par là, notre station d'épuration quelque part par ici, et donc on aura bien un cul-de-sac, donc avec très peu de circulation, et toutes les... D'ailleurs j'aurais pu me contenter de faire cette route là avec une route moins chère, puisque c'est un cul-de-sac, mais bon, je l'avais pas correctement prévu. Donc ce cul-de-sac ne sera pas engorgé, puisque par définition un cul-de-sac ne fait pas circuler toute la circulation de la ville, mais juste ce qu'on a besoin. Et donc, les eaux usées ne circulent que sous les routes. Donc la station d'épuration étant ici, viendra absorber ce que ces tuyaux d'eau usée ne peuvent pas absorber. Vous voyez qu'ici, on a déjà ce principe-là qui est actif. Celle-ci est saturée. Et quand elle déverse à côté, c'est celle-ci qui prend le complément. Et ben on fait comme ça. Donc on continue à polluer allègrement ici, et à un moment donné ou à un autre, aux alentours des 25 000 habitants à peu près, on va poser ici notre centrale d'eau, ici notre station de pompage, et on aura
aura de l'eau de manière quasi illimitée sur cette zone. Jusqu'aux 200-250 000, si c'est bien géré, 250 000 de population, si c'est bien géré, cette petite zone-là suffira. Voilà, toujours faire attention à nos bâtiments. Ici, cause pas de lieu d'envoi, bah oui, ça veut dire qu'on n'a pas de commerce. Donc, on va les supprimer. Ah, le bâtiment est en feu. Oui, donc maintenant, on peut le supprimer. Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas le supprimer tout à l'heure. Alors, pas de lieu d'envoi, bah oui. On n'a que cette petite zone-là qui fait du commerce. Or, si on regarde ici, on a besoin, un besoin urgent même, de zones de commerce de premier niveau. Donc, on va créer une petite zone de manière artificielle et temporaire. Voilà, première partie finie. Le but était de vous faire prendre en main le jeu, les différentes commandes, savoir démarrer même avec peu d'argent pour avoir une très bonne ville qui fonctionne bien. Les bases sont posées. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre ensemble comment faire de cette ville une ville très prospère, beaucoup de rentrées d'argent, exploiter les ressources de la ville. Voilà, j'espère que cette prise en main vous a plu, même si elle est un peu longue, c'était indispensable de bien tout détailler. La vidéo suivante est plus courte, et à l'issue de ces deux vidéos, normalement, vous saurez tout faire sur SimCity, ou presque. Allez, portez-vous bien.